Bonjour à tous, bienvenue au Figaro, c'est Figaro Live. Êtes-vous favorable à l'instauration de quotas pour l'immigration économique? C'est la question qu'on vous pose depuis hier après-midi sur le Figaro.fr. Vous pouvez continuer à voter sans attendre l'entrée en vigueur, sans attendre même les annonces, la confirmation d'Édouard Philippe, qui doit survenir dans les minutes qui viennent. Vous pouvez d'ailleurs suivre ça également en direct sur le site du Figaro, sur Figaro Live. Et on n'attend pas, sans attendre l'entrée en vigueur, d'ailleurs prévue en juin prochain, a priori, on en débat avec vous et avec nos invités. Christian Saint-Étienne, bonjour. Bonjour. Conseiller de Paris, centriste indépendant, si Oui. je ne m'abuse, et surtout économiste. Vous êtes professeur d'économie aux arts et métiers et spécialiste de l'industrie. Vous êtes très exactement le responsable de la chaire d'économie industrielle au CNAM. Vous êtes favorable à l'instauration des quotas et vous nous direz pourquoi. Face à vous, Jean Messia, bonjour, Bonjour. haut fonctionnaire et membre du bureau politique du Rassemblement national. On précise que vous êtes aussi d'origine égyptienne et vous êtes contre les quotas. Vous nous direz pourquoi. Pour l'heure, je vous propose de faire un zoom sur ce qui se passe ailleurs. Depuis qu'on parle, qu'on reparle de la question des quotas, on parle d'un pays, le Canada. Que s'y pratique-t-il? Azélise Lecor, journaliste à Figaro Live, s'est renseignée. Tous les 3 ans, le Canada fixe un nombre de personnes qui peuvent entrer sur le territoire chaque année. Ces objectifs cibles peuvent ensuite être ajustés tous les ans. Pour 2019, l'objectif a été fixé à 330 000 personnes, soit un peu moins de 1% de la population du pays. Ce système-là ne concerne que l'immigration permanente, ne concerne pas les étudiants, ne concerne pas les travailleurs temporaires. Donc on est sur uniquement l'immigration permanente des personnes qui ont vocation à s'installer sur le Canada. Le Canada privilégie des candidats à l'immigration qui peuvent servir le développement de son économie, avec des critères de sélection très précis. Ils ont différents programmes. Alors, les provinces ont beaucoup de pouvoir, donc notamment le Québec qui va privilégier des personnes francophones pour des raisons que vous imaginez. Ça va être à la fois sur des questions de compétences, mais ils ne vont pas forcément privilégier les personnes avec des hauts niveaux de compétences. Ils peuvent avoir besoin de personnes d'aide à la personne, notamment, et il y a un programme spécifique pour cette catégorie-là. Et finalement, leur capacité ou leur aptitude à pouvoir s'insérer dans la société canadienne. Le regroupement familial représente un quart du nombre d'immigrés au Canada, mais ils sont généralement comptabilisés avec l'immigration économique. Au Canada, quand un étranger arrive pour des raisons professionnelles, qui fait venir sa famille va entrer dans la catégorie immigration économique. N'entre pas dans la catégorie immigration familiale. Donc là aussi, il y a souvent un malentendu en France quand on considère que 60% de l'immigration au Canada est une immigration économique, alors que nous, elle est beaucoup plus faible, puisqu'on est autour de 10-15%. Donc la part de personnes qui rejoignent soit des étrangers, soit des Canadiens est finalement certainement aussi importante qu'en France. Le modèle canadien a déjà inspiré l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et peut-être bientôt la France. Êtes-vous favorable à l'instauration de quotas pour l'immigration économique? C'est d'abord la question qu'on vous pose sur le site du Figaro. Vous pouvez continuer à voter. Eh bien, la question qui était posée et soulevée par Azélise à la fin de ce sujet, c'était est-ce qu'on doit s'inspirer est-ce que la France va s'inspirer de l'exemple canadien? Ben, la question, moi, j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que la France doit s'inspirer de l'exemple canadien? Christian Saint-Étienne. Ce que je voulais dire juste en introduction pour recadrer le sujet, parce que j'ai pris position dans la presse pour les quotas économiques, c'est que c'est une toute petite entrée du sujet de l'immigration. L'immigration économique, c'est, pour faire simple, 1/7 de l'immigration, de l'ordre de 30 000. Les gros morceaux, c'est le regroupement familial, qui représente 90 000 personnes, et l'asile, qui représente 120 000 personnes, peut-être 150 000, 120 000 en 2018, peut-être 150 000 cette année, et les étudiants à 80 000. Donc, ce que je ne voudrais pas qu'on fasse, pas seulement dans cette émission, mais au niveau de la politique nationale, c'est de faire croire qu'à travers les quotas économiques, on va contrôler l'ensemble du système d'immigration.
Je suis intervenu hier sur plein de chaînes de télé, et il est clair qu'il est essentiel de comprendre que l'expression quota économique s'autodétruit, parce qu'en réalité, on devrait parler d'immigration de compétences. Et quand on utilise le mot quota en politique, ça n'a pas du tout le même sens qu'en économie. En politique, c'est faire croire qu'on va pouvoir contrôler le système, alors qu'en économie, c'est appeler les compétences nécessaires pour accélérer le développement. Pour c'est ça que je voulais dire en introduction. Introduction entendue. Pour être clair, ce que vous dites, c'est que quand on parle de quotas, il y a une ambiguïté. Voilà. C'est-à-dire, en fait, le gouvernement affiche qu'il va y avoir un certain nombre d'immigrés qui vont arriver ou être autorisés à venir en France. Et puis, il n'y en aura pas d'autres. Et pas d'autres. Mais en réalité, ça ne concerne que ce qu'on appelle l'immigration économique. Qui, en gros, c'est un septième de l'immigration. Voilà. Un septième, certains disent 10%. Bon, oui, mais enfin, en gros, l'année dernière, c'était donc, un septième. 30 000 personnes chaque année sur, au bas mot, 250 000, voire 300 000. Et par rapport à votre résumé, ma position, c'est qu'on peut et on doit faire passer l'immigration économique de l'ordre de 30 000 à 60 ou 80 000, mais que dans le même temps, il faut significativement réduire l'immigration par regroupement familial. Je pense qu'on peut la diviser par deux. Alors, on va voir ce que Édouard Philippe, justement, doit annoncer aujourd'hui sur cette question. Je voudrais qu'on revienne sur l'immigration économique, parce qu'effectivement, vous avez pris position sur ça. Et je trouve que c'est un point intéressant, parce que vous êtes à deux franges de la droite, chacun. Et c'est un débat qui a agité la droite française, notamment dans les années 2000, avec Nicolas Sarkozy et l'instauration des quotas. Donc, moi, je voudrais qu'on se concentre sur cette question de l'immigration économique. Je reviens sur la question qui est soulevée et que l'on pose ici, c'est l'exemple canadien. Est-ce que vous pensez, Christian Saint-Étienne, qu'on peut s'en inspirer et qu'on doit s'en inspirer? Alors, comme ça a été dit dans le petit film, les Canadiens incluent l'immigration familiale dans l'immigration économique. Donc, je pense que c'est un élément de confusion. Moi, ce que je veux dire, c'est justifier ma position sur le quota économique. C'est-à-dire que je ne veux pas ouvrir les portes. Je dis qu'actuellement, en France, il y a 255 000 titres d'entrée qui sont donnés. On va y revenir probablement 50 000 illégaux qui rentrent. Donc, on a un package de 300 000. Ma position, c'est qu'il faut passer l'immigration économique de 30 000 à 80 000, mais que dans le même temps, il faut réduire ce flux de 300 000 à peut-être 200 000. C'est-à-dire que ma position, c'est qu'il faut changer la composition de l'immigration pour la pousser vers l'immigration économique. Et je donne... Excusez-moi, je finis. Puis après je voudrais que vous répondiez à ma question, voilà. Parce que là, donnez votre position, mais vous ne répondez pas à ma question. Mais le Canada, si vous voulez... Je voudrais surtout parler, moi. Parce que non, mais je vous donne la parole. Mais le Canada, c'est une indication de la piste à suivre, mais la France n'est pas positionnée comme le Canada. Le Canada est protégé par l'Atlantique et le Pacifique. Nous sommes directement branchés sur la Méditerranée et l'Afrique, donc on ne peut pas avoir les mêmes politiques. Du modèle canadien. C'est votre point de vue également, Jean-Massia? On ne peut pas s'inspirer du modèle canadien également pour des raisons économiques. Je rappelle que le taux de chômage au Canada est de 5%. Alors faire des quotas, si vous voulez, dans une économie qui tourne à plein régime, ou qui est déjà quasiment en plein emploi, qu'on assiste à des tensions sur le marché du travail, un peu d'ailleurs comme l'Allemagne, puisque par exemple, lorsque l'Allemagne ouvre ses frontières à une immigration de travail, c'est parce qu'elle a des problèmes démographiques et que son marché du travail est également en tension. Tel n'est pas le cas de la France. La France, nous avons une croissance qui est anémique et nous avons un chômage de masse. Alors je partage parfaitement l'analyse qu'a fait le professeur Saint-Étienne au sujet des composantes de l'immigration. Effectivement, il y a un grand malentendu sur cette question de quotas, mais politiquement, ça se comprend. C'est qu'en fait, Emmanuel Macron veut utiliser ce terme de quota pour faire une sorte, je dirais, d'esbrouf politique, tentant à faire accroire qu'il lutte contre l'immigration. Or, okay. Ce n'est pas le cas pour les raisons que vous avez évoquées. Attendez, vous n'avez pas interrompu le professeur. Non, mais attendez, si on parle 10 minutes et que je parle 2 minutes, c'est pas possible. Ce que je voudrais, c'est que vous répondiez, parce que ce que je ne veux pas, c'est que ce débat tourne à un débat plus général sur l'immigration. Enfin,
qu'on ne parle que d'immigration et qu'on ne parle pas d'immigration économique. C'est le thème et c'est une vraie question parce que ça concerne, et vous le dites chacun, l'emploi des Français. J'allais vous en parler. Sur la question, puisque c'est quand même le fond du problème, c'est est-ce que l'économie française a vraiment besoin de ces quotas d'immigration. Sur la restructuration de cette immigration, par justement l'instauration de quotas économiques, qu'est-ce que vous avez à répondre justement à Christian Saint-Étienne ? Je partage encore une fois les différentes composantes. L'émigration économique, c'est très peu, c'est 30 000 personnes sur les 330 000. Okay. Monter la migration économique pour faire baisser l'autre immigration. Alors, bien sûr qu'il faut faire ça, mais si vous voulez, si on se focalise uniquement sur l'immigration économique, il y en a de deux types. Il y a il y a les besoins du marché du travail sur des compétences extrêmement pointues. Typiquement, on sait très bien que la révolution technologique a été très rapide et que la France n'a pas été en mesure de former un certain nombre de métiers qui vont avec cette révolution technologique. Donc effectivement, faire venir, des programmateurs ou des informaticiens indiens ou pakistanais sur des périodes temporaires de 2-3 ans pour effectivement assurer la transition jusqu'à que la France puisse être en mesure de combler ce gap, il n'y a pas de problème. Après, il y a tout ce qu'on nous présente à la télé, c'est-à-dire les secteurs en tension, comme la restauration, par exemple. Et là, si vous voulez, je suis totalement opposé, parce que c'est là-dessus que le gouvernement insiste en disant la restauration, le BTP, les secteurs sont en tension, ils n'arrivent pas à recruter. Mais excusez-moi, on a un taux de chômage des étrangers en France qui est de 2 fois la moyenne nationale et 3 fois si on s'intéresse aux chômeurs hors Union européenne. Donc, au lieu de faire venir des gens supplémentaires pour combler ces emplois, on n'a qu'à d'abord mieux payer ces emplois, c'est-à-dire qu'il faut regarder du coup du côté de la fiscalité du travail pour encourager l'employabilité et l'emploi des personnes peu qualifiées. Et d'autre part, je précise que beaucoup d'étrangers qui sont en France ne veulent pas non plus de ces emplois-là, ce n'est pas seulement les Français. L'idée que l'immigré prendrait la place du Français dans un certain nombre d'emplois ne tient pas la route si on regarde... Ça a été pourtant longtemps un slogan du Front National, hein. Non, mais c'est-à-dire que les 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés de France. C'est ce que dit Le Pen. Vous m'avez mal compris. Dans le tome 2 de ces mémoires. Ce que je veux dire, c'est que le travail dont les Français ne veulent pas, les immigrés en France n'en veulent pas non plus, puisqu'ils sont 2 fois plus au chômage que les Français. Donc on n'a qu'à mettre ces immigrés-là, ces étrangers-là au travail, plutôt que d'en importer des supplémentaires. Christian Saint-Étienne, deux choses que soulève Jean Messia, c'est les deux extrémités du spectre. D'abord, l'immigration très qualifiée et ensuite l'immigration moins qualifiée. Sur l'immigration très qualifiée, vous êtes finalement d'accord. Il faut faire venir un certain nombre de personnes qui sont hautement qualifiées, qui n'existent pas en France. Alors, sur l'immigration économique, pour répondre à votre question, et c'est un élément de la réponse, je suis pour une immigration économique fortement accrue, mais dans un cadre extrêmement réglementé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on détermine les compétences dont on a besoin, que lorsqu'on identifie des étrangers qui ont ces compétences, il faut des examens sur place pour vérifier qu'ils les ont vraiment, ces compétences. Il faut vérifier... Je suis d'accord, parce que c'est juste comme ça que ça se passe pour les Français expatriés. Voilà. Quand vous voulez aller au Canada ou ailleurs, c'est ça. Exactement. Le deuxième point, on vérifie qu'ils parlent français, puisqu'on veut qu'ils soient dans un emploi qualifié ici, et avec examen médical aussi. C'est ce qui se passe si vous voulez immigrer aux États-Unis. Donc, dans ce cadre-là, je suis favorable à un doublement ou triplement de l'immigration économique sur quota, sachant que, comme on l'a dit en introduction, les 300 000 qui rentrent, je pense qu'il faudrait les ramener plutôt à 200 000. Mais maintenant, sur cette immigration économique, pourquoi nous en avons absolument besoin? Il y a 2 transformations majeures qui sont à l'œuvre. Ma question portait justement sur la main-d'œuvre très qualifiée. Oui, justement. Il y a 2 transformations à l'œuvre. La première, c'est la révolution numérique, qui exige que nous ayons d'un seul coup un nombre de programmeurs et d'ingénieurs informaticiens dont nous ne disposons pas parce que nous n'avons pas suffisamment fait évoluer notre système de formation, même s'il a évolué,
Pour faire simple, nous formons 60 000 ingénieurs par an. Nous avons vraisemblablement besoin actuellement de 80 000 à 100 000 par an. D'autant plus qu'on en forme 60 000, mais 10 000 partent parce qu'ils sont très bons. Ils sont pris par les Allemands, les Américains. Donc, il faut vraiment qu'on fasse venir des ingénieurs, notamment dans l'informatique. On a besoin de programmateurs. C'est pour cela que je pense qu'on peut passer de 30 000 à 80 000. Sur ce plan-là, vous êtes d'accord, Jean Messia? C'est ce que j'ai dit. Je crois qu'effectivement, sur le segment d'une immigration ultra spécialisée, avec, encore une fois, des contrats temporaires. Parce que le danger, si vous voulez, c'est que les gens viennent... Sur les contrats, alors non, moi, si on a fait ce que j'ai dit, si on a vérifié qu'ils ont les compétences avec vérification de leur niveau de français et vérification de leur état de santé, je pense qu'à ce moment-là, il faut leur donner des contrats de 3, 5, 7 ans renouvelables. C'est-à-dire que... Voilà, c'est-à-dire... Et ensuite, ces contrats donc, sont donnés par des entreprises qui ont défini qu'elles avaient besoin de ces personnes. Les entreprises, d'ailleurs, deviennent co-responsables de l'installation de ces personnes. Et si ces personnes ne posent pas de problème de police ou autre et qu'ils continuent d'être très utiles, on peut continuer de donner ces contrats. Mais pour répondre à votre question précédente, ouais. Il y a une deuxième raison d'immigration, c'est qu'il faut réindustrialiser la France, que nous allons avoir des tombées de 150 000 à 200 000 travailleurs de l'industrie qui partent à la retraite, c'est des baby-boomers, et que les Français n'ont pas d'appétence souvent pour ces emplois d'industrie. C'est plus que ça. Je pense que justement, le processus de désindustrialisation de la France a entraîné des pertes de compétences. Et parfois, il faut reconstituer les compétences. Parfois irréversibles, sinon difficilement réversibles. Et donc, il y a tout un programme de formation à mettre en place pour essayer justement de réduire cette espèce d'écart entre les besoins technologiques de l'économie française en 2019 et notre système de formation qui est, comme vous le rappeliez, incapable en tout cas de fournir en quantité suffisant de personnes. Dans ce cas-là, on a besoin d'immigration. Mais on a besoin, oui, mais attendez, mais le problème de l'immigration, on a besoin d'une immigration homéopathique. On parle quand même de quelques milliers de personnes. Ça n'a rien à voir avec les 350 000 personnes qui rentrent sur le territoire chaque année. Ça fait chaque année l'équivalent d'une ville de Nice. Qui rentrent en France. Et puis, si vous voulez, les quotas prévus par le gouvernement visent ni plus ni moins qu'à ajouter une nouvelle strate, un nouveau vecteur, un nouveau canal d'immigration par rapport à l'existant. Donc aujourd'hui, si le gouvernement dit on encourage l'immigration économique sur des métiers très spécifiques dont effectivement la France a besoin et qui, soit dit en passant, est l'immigration qui pose le moins de problèmes parce qu'en général, ce sont des gens très qualifiés, très diplômés, qui viennent travailler, qui apportent des services à la France, il n'y a pas de souci. Le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est que l'immigration n'est pas simplement un problème économique. Les êtres humains ne sont pas des êtres interchangeables. Okay. Quand on dit, je finis, quand on dit il manque 100 000 personnes, importons 100 000 Africains ou subsahariens ou Algériens, ça ne marche pas comme ça. Est-ce qu'il y a des coûts induits? Il y a les coûts liés à l'identité, par exemple au malaise identitaire, okay. C'est ce que connaît la France aujourd'hui. D'accord. Donc l'immigration n'est pas qu'un concept économique, il faut comprendre le coût induit de l'immigration de manière générale. On va revenir peut-être sur ce coût induit de l'immigration. Mais il y a une autre question que vous avez soulevée, et j'aimerais bien vous entendre, Christian Saint-Étienne, sur cette question-là, parce que c'est sur ça que porte également le débat que vous avez eu dans le Parisien avec le président de la Fédération du bâtiment. C'est sur la main-d'œuvre peu qualifiée. Est-ce qu'il y a besoin de faire venir autant d'immigrés qu'on le dit? Les besoins sont énormes sur ce secteur-là. On parle jusqu'à 400 000 personnes. On a effectivement un problème de taux d'emploi. Mais est-ce que, par exemple, de former des Français ou de s'attaquer aux assurances chômage pour certains ne permettrait pas déjà de régler ce problème? Alors, en introduction tout à l'heure, et puis on n'était pas en opposition, mais c'est très important de faire de la pédagogie. mais refaites pas le coup à chaque fois. Non, mais le fait d'augmenter significativement l'immigration économique n'interdit pas de réduire les autres postes d'entrée et ce que nous craignons. Ce que nous craignons tous les deux, c'est que le gouvernement ne va pas faire la deuxième partie. L'autre point qui est clé, c'est qu'il ne faut pas donner l'impression aux millions de... Si vous voulez, on a 3,5 millions de chômeurs. Et ce n'est pas très loin de 3/4. Il y a un tiers qui est ce qu'on appelle le chômage frictionnel. C'est les gens qui changent de job chaque année. Mais nous avons 27 millions de personnes qui travaillent en France.
Mais même quand le chiffre reste à 27 millions, il y a 2 millions chaque année de gens qui changent de boulot. C'est un espèce de turnover. Exactement. Et donc ça, tout seul, ça fait 4 points de chômage. Okay. Et ça, ce n'est pas un mauvais chômage, au contraire, parce que c'est des gens qui passent d'une activité à l'autre où généralement, ils sont plus productifs. Le problème, c'est les deux autres tiers. Alors, on a un deuxième tiers qui est vraisemblablement des gens qui ont un gros problème de formation. Et je ne voudrais pas donner à ce deuxième tiers l'impression qu'on les abandonne en disant, voilà, on vous met à la poubelle et on va aller chercher des gens qualifiés parce que vous, on ne peut rien faire pour vous. Donc pour moi, quand je dis que je suis pour le faire passer l'immigration économique de 30 000 à 80 000, c'est-à-dire quand même 50 000 de plus, c'est pas homéopathique. Voilà, c'est avec un programme de formation de ce million de chômeurs employables massif. Alors le gouvernement a un peu commencé de manière homéopathique. On parle bien de ceux qui sont en France. Voilà, hein. des gens en France. C'est pas des gens que vous importez. C'est sur les 3 donc, millions. L'immigration est homéopathique. Il y a 1 million avec une quantité. Donc 50 000, vous jugez que c'est homéopathique? Bah attendez, par rapport aux 350 000 d'aujourd'hui, alors encore une fois, il ne faut pas se faire d'illusions. L'immigration ne peut pas être zéro, mais enfin, entre 0 et 350 à 370 000 chaque année, il y a quand même des marges appréciables de progrès. La politique migratoire vise non seulement un volet quantitatif, mais aussi un volet qualitatif. C'est-à-dire qu'il faut faire venir des gens qui sont utiles à la France. Mais avec un président qui ne sait pas ce qu'est la France, forcément, il ne sait pas ce qui est utile à la France. On va donner la parole aux internautes. Stéphanie qui nous dit que c'est devenu une nécessité de parler des quotas. On ne peut pas continuer à accueillir tout le monde alors que nos concitoyens sont en difficulté. Donc ça, c'est des quotas limitants. Je suis pour les quotas, nous dit Frédéric, car cela limitera bien des problèmes actuels d'une immigration pas très contrôlée. Mais vous voyez, on est vraiment dans l'ambiguïté politique. Voilà, c'est ça. Mais Macron est en train de réussir. C'est votre mot, c'est-à-dire qu'en parlant de quotas, il donne l'impression qu'il va limiter l'entrée des 350 000, alors qu'en réalité, on parle d'un dixième de ce. C'est une gigantesque arnaque politique. Avec les nouveaux contrats du président Macron avec la Chine, on devrait augmenter les quotas, nous demande Christian. Pour l'instant, c'est pas une question. Alors, il ne faut pas avoir une question pertinente. Malheureusement, la France est tellement désindustrialisée depuis 20 ans qu'on est devenu une puissance moyenne. On a encore des ambitions politiques fortes, mais elles passent par une réindustrialisation. Donc, ce que propose le Rassemblement national, d'ailleurs, le seul parti qu'il propose. Moi, à titre individuel, je me bats depuis 20 ans sur ça, mais sur la réindustrialisation. Pour les adhésions, on en parle tout à l'heure. On peut être pour la réindustrialisation sans adhérer au Rassemblement national, mais simplement. Le débat ne porte pas sur ça, mais on a entendu l'appel. Mais sur ce point, donc. On a besoin de faire un effort colossal de reformation des travailleurs, mais également, je pense, d'aller vers une distinction, les gens n'aiment pas ça, mais c'est ce qui existe en Allemagne, des salaires minimums par branche. C'est-à-dire que je pense que dans les activités où l'emploi est considéré comme difficile, il faudrait avoir un salaire minimum de branche qui soit supérieur au salaire minimum national. Je pense notamment que dans l'industrie et le BTP, puisqu'ils ont des problèmes de recrutement, il ne faudrait pas hésiter à avoir un salaire minimum de branche qui soit supérieur au salaire minimum national. Ça, j'aimerais bien avoir la réponse de Jean Messia. Je rajoute une question, d'ailleurs, à ce que dit Christian Saint-Étienne. Le dernier rapport de l'OCDE sur l'immigration en France, dans lequel Figaro revient longuement aujourd'hui, montre que les immigrés sont surreprésentés dans les secteurs du bâtiment et de la restauration, secteurs où les rémunérations sont faibles, les horaires flexibles et les conditions de travail précaires. En clair, les immigrés acceptent de faire le travail que les Français ne veulent pas. Alors, dans ce cas-là, pourquoi ils sont trois fois plus au chômage? Et pourquoi, dans ce cas, pourquoi ils sont surreprésentés? Parce que si vous voulez, le problème, c'est que, encore une fois, la fiscalité du travail en France est assez pénalisante. C'est dans cette direction-là qu'il faut voir et qu'il faut regarder. En réalité, ces emplois sont mieux payés, si on a une politique de formation, et il faut toucher la meilleure rémunération. C'est important ce que vous dites. La meilleure rémunération, ça doit être, on doit toucher à la fiscalité pour permettre une meilleure rémunération. Si vous voulez, c'est pas les employeurs qui doivent augmenter les salaires. Pour toucher au coût du travail, il n'y a pas 36 solutions. C'est où vous baissez les salaires que touche la personne, et ça, c'est inacceptable. Où vous touchez la fiscalité. Mais on a qui déjà détaxé les charges sociales. Alors, il y a ça, mais il y a tout un tas de prélèvements. Oui, je ne parle pas de cotisations. Il y a tous les prélèvements qui pèsent sur l'entreprise et qui rendent nos entreprises effectivement moins compétitives
que les entreprises allemandes. Notre coût du travail en France est plus important. Baisser la dépense publique. Alors avant, ça se réglait, là je vous parle, avant ça se réglait à coup de dévaluation pour réajuster. Aujourd'hui, l'amortisseur monétaire n'existant plus, eh bien, la surcompétitivité allemande se voit et donc notre sous-compétitivité se voit également. Donc c'est ça le problème. Le chômage de masse, il est lié à un coût du travail qui ne peut pas être contrebalancé par des dévaluations. Nous sommes beaucoup trop chers. Hein, voilà. Alors, et donc, si vous voulez, par rapport à l'immigration, l'OCDE ne m'étonne absolument pas dans son analyse, parce qu'en réalité, toutes ces instances sont des instances néolibérales. Je ne dis pas libérales, néolibérales, qui considèrent que l'immigration, parce que précisément, ce sont des immigrés qui sont prêts à accepter ces conditions de rémunération qui sont corvéables et malléables à merci, eh bien, qu'à cela ne tienne. Faisons de nouvelles filières d'immigration pour aplanir le marché du travail, écréter, je dirais, tout ce qui est institutionnel, le pouvoir des syndicats, le salaire minimum, etc., pour faire en sorte d'avoir une main-d'œuvre docile qui est la seule, finalement, compatible avec un marché mondial. Non, ce que je voulais dire là sur le taux de chômage que vous avez à plusieurs reprises dit être supérieur pour les immigrés, vous avez d'ailleurs dit que pour les immigrés d'Europe, il n'y avait pas de problème. C'est souvent lié au fait que nous avons une immigration subie de personnes qui ne parlent pas notre langue. Donc pour s'insérer sur un marché du travail qui devient de plus en plus compétitif et globalisé, où il faut maîtriser les outils technologiques, si vous ne parlez pas la langue, ça vous met KO. Merci de dire ça, vous répondez à cet internaute Raymond qui vous dit on parle d'immigration sans évoquer la nécessaire connaissance de la langue française et des valeurs. Voilà, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait l'immigration subsaharienne et l'immigration maghrébine viennent quand même d'anciennes colonies françaises où on parle français. Oui, mais l'immigration du Pakistan, ah bah voilà, ça c'est autre chose. De l'Afghanistan. Tout à fait, non mais je suis d'accord avec vous. L'immigration de l'Albanie, mais c'est pas des gens qui parlent français. Tout à fait, mais c'est pas la majorité de l'immigration. Oui, mais c'est une grosse partie de l'asile aujourd'hui, ces gens-là. Avec le changement de loi du chômage, à mon avis, le nombre de chômeurs va baisser et le nombre d'immigrés au chômage aussi, dit Paul. Alors, ce que je voulais dire sur les immigrés, parce que j'avais sur cette baisse des dernières mesures qui sont prises sur les allocations chômage, qui ont été quand même. Oui, je suis favorable sur les. Et vous pensez que ça peut baisser l'immigration? Ça peut contribuer à faire baisser le chômage et donc à réduire les incitations à l'immigration subie. Encore une fois, c'est entre la différence entre immigration subie et choisie est clé sur ce sujet. Mais sur les immigrés eux-mêmes, contrairement à l'image qu'on peut avoir, on peut regarder à l'autre bout de l'intégration des immigrés, le taux d'entrepreneuriat des immigrés est équivalent, voire supérieur à celui des nationaux. C'est très souvent lié au fait qu'ils sont obligés de créer leur boîte pour trouver un boulot parce qu'il y a quand même encore le délit de faciès et ils ne peuvent pas se faire embaucher. Donc, il ne faut pas penser que c'est tous des ectoplasmes qui sont dans leur lit toute la journée. Non. Ceci étant, il y a néanmoins, c'est vrai, une partie de l'immigration subie de pays, c'est-à-dire de gens qui arrivent avec pas de compétences ou parlant pas français ou les deux, qui viennent chercher ici des allocations ou des soins médicaux. Et là, il faut traiter le sujet. C'est pour cela que j'ai insisté depuis tout à l'heure. C'est les autres mesures. Mais c'est très important. Si vous êtes favorable à des quotas d'immigration économique, mais que vous ne faites rien sur l'asile et rien sur le regroupement familial, vous vous foutez des Français. Ouais. Alors, je partage partiellement votre analyse, sauf que là encore, les chiffres sont têtus. Le recensement de l'INSEE et tous les chiffres qui ont suivi montrent que les étrangers sont non seulement représentés dans les statistiques du chômage, mais ils sont également surreprésentés dans l'utilisation des minima sociaux. Ils sont surreprésentés. Ils sont surreprésentés dans le logement social. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'il y a quand même une frange, pas toutes les immigrations naturellement, hein, mais il y a une frange de l'immigration. Supplémentaire, voilà. De contrôler l'immigration subie. Exactement. Et enfin, le problème du chômage, et là je crois que vous me rejoindrez, le problème du chômage n'est pas nécessairement dans le coût d'entretien des chômeurs. Oui, c'est la désindustrialisation. La solution au chômage n'est pas dans le social, comme on l'a cru depuis 40 ans. La croissance. N'est pas dans le social, elle est dans l'économique. Or, si on n'a pas de plan de réindustrialisation de la France, qui va prendre du temps, parce que la France ne s'est pas désindustrialisée en un an, elle ne se réindustrialisera pas non plus en un an, mais il faut une ambition nationale, il faut recréer des filières d'activité, il faut refaire de la formation pour refaire des filières de personnes compétentes en adéquation avec les nouveaux secteurs que vous créez. Si votre politique consiste simplement à manager, si vous voulez, en bout de chaîne, les résultats désastreux d'une mondialisation que vous encouragez par ailleurs, eh ben vous pourrez toujours faire venir de l'immigration ou virer de l'immigration, ça ne changera rien
à la croissance économique, ça ne changera rien à la capacité de l'économie à créer de l'emploi. C'est là le véritable problème. On a compris votre argument. Christian Saint-Étienne, Nicolas Sarkozy a renoncé en 2011 au quota à cause de la crise des printemps arabes. Est-ce que, quand on regarde la situation au plan géopolitique que vous analysez d'ailleurs extrêmement précisément dans votre dernier ouvrage qu'on recommande, à, Trump, Xi Jinping, les apprentis sorciers, c'est aux éditions de l'Observatoire, quand on regarde cette situation géopolitique, on vient d'avoir également Emmanuel Macron qui vient de s'exprimer sur le nucléaire, qui indique qu'il y aura des discussions dans les prochains jours avec les Iraniens. Les Iraniens, il faudra en tirer des conséquences, donc ça se tend également. Quand on entend, on n'arrête pas d'entendre des Cassandres qui annoncent l'éclatement d'une crise dans les mois qui viennent, est-ce que c'est opportun, même dans ces conditions, de réintroduire ces quotas que Emmanuel Macron jugeait en son temps irréaliste? Sous réserve, je suis désolé, d'une politique d'immigration d'ensemble, accélérer l'immigration économique très encadrée, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, hein, vérification des compétences, du niveau de santé et des capacités linguistiques. Oui, il faut le faire. Pourquoi? C'est un sujet central qui n'est pas compris par les Français. Pour les Français et pour les élites dirigeantes de ce pays, l'économie, c'est de la mécanique. C'est radicalement faux. L'économie, c'est de la biologie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour développer les secteurs qui se développent, qui tirent le reste de l'économie, vous affaiblissez l'ensemble. Donc si on a besoin de dizaines de milliers d'ingénieurs, de programmeurs, quand ils vont arriver, qu'ils vont se mettre au travail, ça développe ces filières. Mais à ce moment-là, ils ont besoin de se loger, ça développe le BTP. Ils ont besoin de faire garder leurs enfants, ils ont besoin de se soigner. Faire venir un minimum de cerveau pour pouvoir... Donc, un emploi industriel, ça développe deux emplois dans le service. Donc c'est pour ça que reconstruire le noyau industriel, mais dans le cadre de la nouvelle révolution technologique, au contraire, c'est contre-intuitif, mais au contraire, il faut accélérer le redéveloppement de notre industrie, même si apparemment... Il faut faire ce que font les Chinois, c'est-à-dire d'abord demander aux étrangers et après, finalement, prendre leur technologie et leur matière grise. Oui, mais pour cela, si vous voulez, il faut que les élites dirigeantes et Emmanuel Macron en tête aient une boussole nationale. Or, le mot « national » est devenu pour nos élites dirigeantes un gros mot. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est le « national », il faudrait en quelque sorte nationaliser les élites. C'est-à-dire faire en sorte que les élites soient polarisées sur l'intérêt supérieur de la France. Tant que vous n'avez pas ça en ligne de mire, toute votre politique ne sert à rien. Votre compétence même personnelle ne sert à rien. Vos connaissances, votre expérience ne sert à rien. Or aujourd'hui, si vous voulez, Emmanuel Macron, il ne s'en est jamais caché, c'est un immigrationniste. Il n'y a pas une ligne sur l'immigration. Il a quand même soulevé pas mal de fois il n'y a pas eu une ligne sur l'immigration dans son programme présidentiel. C'est un sujet qui ne l'intéresse pas. C'est un immigrationniste. L'immigration, il s'en fout. Par contre, ce dont il ne se fout pas, c'est l'élection présidentielle de 2022. Et comme il sait que la question de l'immigration est quand même une question qui touche frontalement énormément de Français, sinon leur majorité, il sait très bien que s'il n'amène pas ce sujet sur la table, il ne pourra pas, en tout cas, il risque de ne pas être élu. Donc c'est pour ça qu'il en parle. Mais il en parle comment? Avec, encore une fois, cette arnaque qui consiste à parler de quotas de manière générale, alors que les quotas dont parle Emmanuel Macron ne s'adressent qu'à une partie infinitésimale de l'immigration. Un dernier mot, il nous reste deux minutes, je vous donne une minute chacun. S'il y avait une chose à retenir sur ce débat, encore une fois, du quota d'immigration, une idée forte, laquelle serait-ce pour vous, Christian Saint-Étienne? L'immigration économique n'a de sens que dans le cadre d'une politique stratégique industrielle visant à réindustrialiser le pays et simultanément une politique de formation du million de chômeurs qui souhaitent travailler mais qui n'est plus en phase avec les besoins actuels. Donc si on adresse ce sujet que par un petit tiroir alors qu'en fait il faut considérer le meuble, on ment aux Français. Donc c'est une politique d'ensemble de réindustrialisation et de formation qui est nécessaire. Et à ce moment-là, les quotas d'immigration économique prennent tout leur sens. Jean Messia. En l'état actuel des choses, la France n'a plus besoin d'immigration. Je pense qu'une majorité de Français veut un arrêt
totale de l'immigration, je dis bien en l'état actuel des choses, parce qu'en dynamique de longue période, je rejoins votre analyse. Là, l'immigration actuelle nous coûte extrêmement cher sur le plan financier, mais surtout, elle est en train de désagréger notre corps social, elle est en train de désagréger, je dirais, le contrat social, notre contrat républicain, comme on le voit avec tous ces incendies qui brûlent dans nos villes, à Chanteloup, à Mantes-la-Jolie, etc. Encore une fois, l'immigration n'est pas qu'un concept économique. L'immigration, notamment lorsqu'elle est massifiée, comme c'est le cas en France, pose des problèmes induits extrêmement forts, des problèmes identitaires, des problèmes sécuritaires, des problèmes de communautarisme. Et donc, effectivement, aujourd'hui, à moins de lancer un plan de désindustrialisation que seul le Rassemblement national, encore une fois, propose, il faut stopper l'immigration. Merci, merci Jean Messia, merci Christian Saint-Étienne. Trump et Xi Jinping, les apprentis sorciers, c'est aux éditions de l'Observatoire, c'est votre dernier ouvrage et qu'on recommande surtout après ce voyage d'Emmanuel Macron en Chine. Ça va dans le bon sens ? Malheureusement, la France est un petit pays. La seule chose qui nous reste, c'est la... ce terme. Non, est un petit j'aurais pays. Ce terme. Est un petit pays face à la Chine. La seule chose qui nous reste face à la Chine, c'est notre arme nucléaire. Si on veut peser dans les 20 ans qui viennent, il faut réindustrialiser, investir massivement dans la révolution technologique. Sinon, on va vers l'insignifiance. Donc, il est clé de mettre en œuvre une politique très, très forte au plan national. Allez, juste une petite réponse sur ça. Je laisserai parler le général de Gaulle. Les grands pays le sont pour l'avoir voulu. Donc, si aujourd'hui, effectivement, nous pouvons faire le constat que notre pays a été nanifié, il l'a été par c'est des élites dirigeantes qui n'ont plus voulu qu'il soit grand. Qui ont nié la France. C'est sur ce constat qu'on se quittera. Merci beaucoup, c'était un débat passionnant. Et je maintiens qu'il fallait rester sur cet angle d'immigration économique parce qu'on passe justement beaucoup sur ça et qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Merci de les avoir soulignés, merci de les avoir soulevés, merci peut-être de les avoir enlevés. Demain, on revient sur une autre question, sur une autre actualité. Ce week-end, en fait, on célèbre les 30 ans de la chute du mur de Berlin. D'ailleurs, édition spéciale ici même sur Le Figaro. Et demain, on débattra du phénomène populiste. Est-ce qu'il a remplacé le phénomène communiste ? Eh bien, c'est sans doute une polémique qu'on soulève. Mais ce sera un très beau débat également, comme ce matin, entre Alexandre Devecchio et Laurent Geoffrin, animé par Charlotte Barillon. À très vite sur Figaro Live.